Comment on va faire ça alors? Hop. Avec mon gros n'importe quoi. Mais quoi? Avec mon gros véhicule n'importe quoi là. N'importe quoi que je fais là. Oh là. Bon, on verra ça, on Faire verra ça. démolir. Mettre celle-là. Fait, ton idée serait de faire un truc comme ça. Si je comprends bien. Attends, parce que là, je vais bloquer la montée du truc. Ah non, mais il va être énorme, hein, mon truc, les gars, si je fais ça. Fait, ton truc, c'est style. Hop. Genre comme ça, et là. C'est ça son idée de suspension, genre un truc comme ça, non? Un robot avec deux jambes et deux bras. Mais vous savez quoi? On va faire plusieurs robots, au pire chacun, on fera des tests avec plusieurs robots si jamais. C'est pas un souci. C'est pas un souci. Non mais là il va vraiment être très très grand. Hein. Je suis en train de regarder, mais. Que t'as devant, mets-le. De tous les côtés. Faudrait que tu fasses un piston. Ah oui! Ouais, j'avoue. Non, donc ça, cette idée, je l'enlève. Pourquoi? Parce que ça va être vraiment trop gros et là. Là, ce sera même plus maniable et puis voilà. Par contre, l'autre idée, j'aime beaucoup. Il y a une idée que je vais garder. Ah, il y a une idée que je vais garder, alors faut juste que je me souvienne comment on fait ça. Mais ce que. Dans ton véhicule. Plus de puissance dans le moteur, fais un an derrière. Ouais, alors le moteur, je pense que je vais garder. Non, je lisais un peu, hein, désolé, je. Ça faisait un peu pas trop d'action, mais je lisais un peu les idées, bien sûr. Donc ça, je pense que je vais garder, mais pas trop non plus, parce que sinon je risque de m'éjecter. Ensuite, celle que je vais prendre. Ah oui, c'est bon, je sais comment je vais faire, ça va être énorme. Faut juste que je me rappelle comment on fait. Attendez, je vais me faire une petite plateforme pour me souvenir comment on fait un piston. Juste la base à hein, me la revoir, ça fait un petit moment que j'ai pas fait ça. Normalement ça doit être un truc de ce style là. Ouais, je pense que j'y suis, ça doit être ça. Peut être genre ça. Ouais, non, c'est bon, je pense que je l'ai. Du coup, il me faut un, deux et trois bras, en fait, c'est un truc comme ça. Ah, salut Lisa, ça faisait un moment. Comment tu vas? Plus, j'étais passé sur ton live à toi il y a pas longtemps, t'étais sur Blade and Soul. Et juste j'allais parler, en fait je me suis dit mince, il faut que je parte, j'avais un autre truc à faire. Du coup, je suis pas resté. Alors, comment on va faire? Moi j'aimais bien partir sur un truc haut. Ça puisse bien se déplier et tout, mais là. Au pire, on fait quand même ça. Non, genre, si je fais ça. Je suis un idiot, j'aurais dû le mettre plus en avant en fait. Parce que là, sinon, je vais perdre de la longueur pour rien. Et là, ça va me permettre de mettre pas mal de bras en plus. Donc même si je le mets pas très haut, je vais pouvoir faire pas mal de poussées, vous allez voir. Alors. J'ai toujours peur du résultat. Ah, ça va. Si on va remettre ça.
Peut-être enlever une longueur au cas où ça bloque. Je suis déjà mort de rire parce que vous vous rendez même pas compte de la longueur que ça va faire là, ce que je viens de faire. Ah, oh, lui il a perdu. Vous vous rendez pas compte la longueur, les gars. Bon, par contre, ça rend un petit peu obsolète ce que j'ai mis en bas, hein, autant le dire. Mais bon, c'est pas grave. Ok, on va laisser comme ça du coup, et vous allez comprendre ce que j'ai dit pour ceux qui n'auraient pas encore compris, mais donc déjà si j'arrive à le faire, vous allez comprendre que c'est un peu n'importe. Donc on va mettre un deuxième truc comme ça par contre. Ok, et on va mettre avec un bouton poussoir hein, aussi, ce sera bien ça. Ouais, ça va le faire. Alors le 1 est là. Par contre, c'est pas pratique là où j'ai mis, j'avoue. Quatre, cinq, six et 7. Ça a l'air bon. Du coup, il nous faut. Alors, je crois que c'était 90, 90. Alors, faut juste que je sache. Ouais, ça doit être plus. Normalement, ça doit être 90, 180, 180, 180. Si je me souviens bien, c'était comme ça. Hein. Si je me souviens mal, bah, vous verrez que ça marche pas. Et 90 de l'autre côté. Mais normalement, ça doit marcher. Il faut juste que je rajoute le bouton ici. Toujours plus loin quoi. Regardez, c'est tellement long que quand ça tape sur moi, ça me repousse. Les gars, est-ce que je le laisse aussi fast que ça ou est-ce que je le descends un peu en vitesse? Ah, je vois rien. C'est énorme. Et ça monte toujours ou pas? Un peu en lag. Oh les gars, attendez, j'ai cassé là. Coucou. Alors attendez. Équilibrer ton truc. Attendez, et si je fais par exemple. Genre en plus slow et tout. Normalement, ça fait. Mec qui roule comme ça avec le truc devant. C'est trop. Mais c'est ça qui est marrant. C'est toujours trop. Tout dans l'excès, sinon c'est pas drôle. Non, donc la question, est-ce qu'on le met plus lent pour faire un peu, on va dire presque RP, d'essayer de pousser le mec doucement et tout? Ou est-ce que je le laisse aussi rapide juste pour voir ce que ça fait parce que je me demande l'effet que ça va faire sur le véhicule adverse. Il faut voir, on a les deux solutions de toute façon. C'est un peu bizarre quand on recule. Sachant qu'après, soit je joue avec le piston de loin, déjà, quand je roule. Ah, mais ça fait tellement énorme. Qui roule comme ça. Ah, vaut mieux que je roule et que je repousse après, il sera plus sympa. Rapide, rapide, laisse. Ah, on est d'accord. Hein. On est d'accord. C'est toi, Arcadien, avec ton truc bizarre hein? Ouais. Très bien. Je dis ça, mais le mien est un peu bizarre aussi. J'ai mis des trucs intéressants pour éviter de tomber par côté. Ouais, non, tombe pas sur le côté, ce serait dommage. Ah! Ah non! Ah non, 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 vas-y, mange-moi dedans. Ah d'accord, là, c'est pas par côté. Là, c'est pas. Ah non, d'accord. Attends, je vais te retourner, t'inquiète. Je vais t'aider, la pelleteuse arrive. Bon, je galère juste un peu à manœuvrer, mais.
Ah, j'ai remarqué. Mais je suis en métal, tu peux voir. C'est moi qui me relève. Il est trop lourd. C'est il est trop lourd, son truc. Non, je me bats pas contre lui, il est beaucoup trop lourd. Regarde le truc. Je suis trop en haut. Vas-y, te deux sur moi. Te deux sur moi. Vas-y, vas-y. Au revoir. Mon véhicule! Non, mais ça veut dire qu'il faut que je renforce, que je rende mon véhicule plus lourd en fait. Donc, tombe pas, ça va. Bon, bah, les gars, on va faire un truc lourd, hein. Vraiment lourd, là. Par contre, va falloir rajouter masse de puissance moteur. Ah, ouais, là, limite passer sur un autre type de moteur. Attendez, parce que j'arrive plus à le. Voilà, je pense que là. On va pouvoir mettre un petit peu les gaz. Ils ont un autre sur le côté. Comme ça, son robot soulève. Attends, attends, déjà on va faire avec ça. On a une demi-heure à tourner. Là, d'accord. Qui nous a fait un de ces trucs là, c'est tellement lourd. J'ai fait des tours de l'arène pour réussir à tourner. Et en plus, je me suis renversé à côté du bord. Ok, j'ai peut-être mis un peu de vitesse, un peu trop. Remarque, ça peut être drôle, mais. Entre ça et ça. Les gars, easy win, easy win. Et on doit pas sortir de l'arène, hein. C'est ça? Oui. Bah, déjà, pour retourner, je vais devoir sortir de l'arène. Sur ton piston. Après, en soi, c'est pas le piston qui doit être plus lourd. Pour moi, de mettre du métal sur le piston, ça va pas changer grand chose. C'est le véhicule en lui-même qui doit être plus massif, tu vois. Jusqu'à minuit. Oh. Mets du poids à l'arrière. Ouais, mais en fait, faut que je mette. Pour moi, c'est vraiment tout le véhicule, hein, je te dis qu'il faut que je mette du poids. De toute façon, je vais continuer parce que là, il est encore, encore très léger finalement. J'essaie de rajouter des roues pour tourner plus vite, je pense. Pourquoi? Je vais partir avant d'avoir. D'avoir réussi à tourner. C'est massif là! Oh là là, ah ouais, non, mais là ça tangue par contre. Ah ouais, au niveau des roues. Après, j'ai mis beaucoup de vitesse aussi. Ah ouais, mince, attendez. Par contre, je ne sais plus pouvoir sortir du véhicule. Hein. Ça, c'est un peu dommage. Ah non, après, ça devient trop lourd. Hein. En fait, là, il y a trop de poids à l'arrière. Voilà, on n'a rien vu. Donc, vu qu'il y a trop de poids, soit j'en rajoute à l'avant, soit je fais comme t'as dit, je transforme le piston en métal. Ça sent plus à rien, les gars. Ah non, non, je suis un idiot. Je peux sortir. Voilà. Ok. Ok, ok. Recule tes roues de derrière. Oui, c'est une autre solution. J'avais juste pas envie de le faire. J'avais juste pas envie de le faire, mais oui, je vais être obligé. Hein. Ouais, de toute façon, c'est rapide à faire en fait. Je sais pas pourquoi je voulais pas. Hop. Non, mais on va rééquilibrer un peu parce que là, ça fait n'importe quoi. C'est mettre du poids pour du poids. C'est pas notre style de jeu, les gars. C'est on pas notre pas. On va changer. Si je rajoute des roues qui tournent, ça ne tourne plus.
Tu rajoutes des roues qui tournent et quoi? Ça fait comme si. Ça prend deux fois plus de temps à tourner. Ah. D'accord. J'ai dit d'aller en arrière et tourne sur lui-même. Ah non, en fait, je contrôle plus le véhicule. D'accord, il va bugger. Non, il tourne pas le même. Marrant. Est-ce que vous pensez que là ça va marcher déjà sans rien changer? Oh, magique! Trop bien! Autant vous dire que je ne peux quasiment plus tourner. Ah, par contre, il me faudrait un truc pour m'éviter de basculer comme ça. Attendez, mais comment je peux faire du deux roues là? Comment c'est possible? Alors, il me faudrait un truc. Ah, mais d'accord, mais j'ai pas relié le moteur. Ça étonne que tu t'en Rigolez pas, rigolez pas. Le Larkin. C'est bon, il tourne. Je vais sauter dedans. On va enlever quelques trucs. Ah, parce que là, c'est vraiment trop quand même. Faut dire ce qui est. Puis surtout, c'est trop en hauteur, ce qui fait que mon véhicule peut avoir tendance à basculer après. Donc ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour moi. Ah, déjà, déjà rien que là. Rien que là, pas trop de vitesse. On a encore oublié le lift, comme d'habitude. Il n'y a pas CTRL Z sur ce jeu. Bon, pire, on enlève carrément toute cette partie devant. Maintenant que j'ai fait ma boulette, autant y aller jusqu'au bout. On va carrément enlever, puisque je m'en sers plus de ça, de toute façon. Je vais pas pouvoir m'en servir, on est d'accord, puisque j'ai rajouté. Bon, mais c'était pas voulu le faire tomber au début. Non, Horse ne galère pas. Pas du tout. Mais après, je suis assez fier de moi, hein. Le piston et tout, il est plutôt cool. Il se balance des fleurs. Mon véhicule est plutôt pas très beau, mais... Et du coup, voilà, ce qui serait cool maintenant, rajouter un peu de stabilité quand même vers le bas. Pour éviter qu'on puisse se retourner trop facilement, en fait, voyez. Voilà. Là, on enlève le lift. Bon, je suis chaud pour retester un combat si vous voulez. Bah moi j'ai un problème avec savoir quoi. Est-ce qu'il y en a un qui est chaud ou pas? Non, j'ai mes roues de droite, je ne comprends pas. Je tourne bien à gauche mais à droite je peux pas tourner. Lui il y a des trucs pour qu'il vole. Non mais attendez, parce que là si je commence à voler et tout, enfin là on est plus du tout dans le... dans l'idée première de se pousser. Après, des réacteurs, ça peut être une idée. Et ça, je voulais le tester aussi. Ça fait partie des idées que je veux voir pour améliorer tout ça. Mais sinon, non. Vas-tu faire un autre concours ce soir? Alors non. Enfin, je pense pas. Je pense pas. Après, après en soi, le concours, c'est un peu le duel des véhicules. On verra. On verra comment ça se passe. Une demi-heure à tourner. Qu'est-ce que tu fais? Pas prêt. T'as un petit peu abusé ton truc. T'as des trucs qui tournent sur le côté et servent pas à grand chose. Ouais, j'ai fait. Non, il a fait ça pour s'envoler, je pense. Bien sûr. Ah, peut-être ça. C'est pour pratique. Allez. Je t'ai bloqué. Il est tellement trop lourd son véhicule, mon gars. Ouais, voilà, remercie.
Bon, puisque personne n'a fini, on va essayer de régler le problème que je vais avoir quand je vais affronter Arcadien. Bah, je crois que j'ai fini. Parce qu'Arcadien, il va forcément me retourner à un moment ou à un autre. Son véhicule est très lourd. Du coup, en fait, faut que je fasse un truc pour ne pas me retourner. Genre, moi, je verrais bien un truc comme ça, vous allez voir. Un truc basique, hein, mais hop. Il y a un truc comme ça qui fait que si j'essaie de me retourner, en fait, ça va toucher ça, en fait, directement. Et normalement, je devrais pas me retourner si facilement. En fait, c'est ce que je fais, quoi. Je dis bien normalement. Par contre, quand même, hein. Je commence par me retourner sur le côté, ça il bloque, puis ça me retourne sur les deux. Je me retrouve la tête en l'air. Voilà, ouais. Et là, c'est stylé. Attendez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, et on fait un truc de 3. 1, 2, 3, 4, 5, et on fait un truc de 3. Est-ce que c'était à cette hauteur? Pas du tout. Il y a 2 de hauteur. De 3, 3, j'ai compté celui qui avait dessus, ouais, sûrement. Je descends jusqu'au bout et on refait 3. Pour le viewer, votez tous pour moi. Il n'y a pas de vote là. 1, 2, 3. C'est pas grave. C'est pas grave, votez quand même. 3. Je me suis loupé. Je me suis loupé d'une. Écoute avec moi. D'un truc. 1, 2, 3. 4 et c'est le cinquième. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'ai décalé d'un cran là. Ah, j'ai une idée. Il est tellement lourd mon char là par contre. C'est qu'il me l'a déjà. Ouais, du coup, on va tester les combats et après, au pire, on mettra des contraintes de se dire bon, voilà, ça c'est trop OP, on n'a plus le droit d'utiliser ça. Ça, pour que ce soit plus équilibré entre chacun, on va faire ça ou ça. On verra après les premiers combats. Là, c'est vraiment les combats test, voir un peu comment ça se passe. Non, déjà, je pourrais pas tourner. Bon, vas-y, Arcadien, viens, on y va. Là, je vais ramasser le son. Ouais. Rajoute des propulseurs rien, et branche-les sur un bouton. Ah ouais, genre pour le pousser d'un seul coup et tout. Vas-y, on peut essayer ça. C'est tellement abusé, les gars. Je tourne à gauche. Je tourne à droite. Attendez, déjà ce qui serait cool que je fasse, c'est que j'arrive à accéder. Non, c'est trop lourd derrière, enfin c'est trop lourd devant. Ah, mes boutons, mais en fait j'y accède plus du tout en fait aux boutons. Non mais les gars, ça va être n'importe, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis direct. Le problème des chars lourds, c'est que là il est trop lourd. On va le mettre là, le bouton, parce que là j'ai plus accès à l'intérieur, donc on va commencer à faire des trucs. N'est-ce pas? À la va-vite. Ah non, le lift! J'oublie tout le temps et à chaque fois je me fais avoir. Hop. Allez. Testons. Les gars, vous savez que je vais sortir du ring tout seul avec ça. Eh, remarque, ouais. Ça fait pas avancer tant que ça, regardez. Ça met juste un petit coup, mais c'est pas énorme en fait, ça va. C'est pas énorme. Et ouais. Ouais, t'as raison. T'as raison, c'est beaucoup plus intelligent ce que tu m'as dit que ce que j'ai fait. On va faire ça. Merci pour le conseil. Non, mais je sais que je suis pas très très créatif et tout des fois, du coup n'hésitez pas, allez-y, à en donner des conseils, j'en suivrai certains bien sûr, comme celui-ci qui est très bon.
Je vais laisser en libre hein, par contre, mais ouais, t'as raison. Ça va carrément mieux stabiliser le truc, quoi. Voilà, normalement là. Ah ouais, t'as raison, on a tellement un bon truc là. Bon, après, franchement, je le trouve un peu gros mon véhicule. Je trouve qu'il faudrait quand même faire plus petit pour que ce soit plus sympa les combats parce que là. On parle du bon. Il est gros. Ouais, je suis prêt pour un combat. Tu viens, Arcadien? Quand j'arrête de laguer, ouais. Je crois que c'est bon. J'ai dû rééquilibrer, j'ai mis le poids devant. Non, t'es tout seul dans la terre. Voilà, j'ai réussi à tourner. Média réacteur devant pour s'arrêter plus vite. Attendez, parce que là, là il commence à être sacrément lourd mon véhicule, on va y aller doucement les gars. Mais j'arrive même pas à monter moi. Non mais vas-y avec le. Ah bon. Fais une catapulte à base de. Les mecs, toujours pire, tu sais. Maintenant ça va être fait une maison. À la base c'est pour construire des maisons ou des véhicules hein, pas des catapultes, c'est bon. Calme. Attends, moi je suis dans ce sens, vas-y je me mets là. Là. Moi je suis dans. Vas-y, mets-toi en face. D'accord, mais là il va falloir qu'on y. C'est bon, go. Le gars profite le temps qu'il est pas dans le bon sens. Déjà parti alors. Non mais vas-y, mets-toi bien en face et tout. Ah mais attends, parce que j'ai mal ciblé aussi. Mets-toi bien au milieu, moi je vais le remettre. Je l'ai mal mis. Genre le milieu, il est où? Il est là. Voilà. Un truc pas massif du tout. Painting. Ouais, il y a le painting, il y a. C'est quoi, c'est un klaxon non aussi qu'il veut le rajouter? Oh là là. Il a l'air de. D'être mal grave ton véhicule. Là, je lag, tu sais que. Attends, je vais y mettre ton véhicule, 2 secondes. Tu me permets de l'utiliser? Oui. Tu me dis pas, je vais peut-être pas mettre grand chose. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Attention, c'est très complexe. Attends. Des roues, deux moteurs, un bouton, un siège. C'est pas le combat qui est dur, c'est de le mettre dans le bon sens. Exactement. Dans toute une heure. La dernière fois, fallait pas un train, je crois que c'était l'été. Ton véhicule, il est tellement bizarre. Ah, tu vois? Non, comme en fin de guerre, on fait mieux. On va se mettre en diagonale, hein. Je vais te le placer comme ça, je vais juste décaler le mien plutôt. Ça sera plus simple. Ce sera plus simple, ouais. C'est un gros combat. On va y arriver, les gars, n'ayez pas peur, faut juste pas que j'aille trop vite. Faire dépasser les roues, hein. Attendez pour les améliorations. D'abord, on fait le combat. Faut juste que je le mette bien. Voilà. Ne bouge plus, hein. Ouais. Reste là, toi. Je vais tenter de déplacer le mien. Ce sera plus simple. Non, on vient voir le combat, Lino. Ouais. Je vais dire que je trouvais le mien pas très manœuvrable. Finalement, ça va. Ouais, mais moi, je connais pas grand chose. Je suis pas très bon non plus, je te rassure. Bon, on est pas mal là, hein. C'est les Mino, premières tu rotations. Tu fais le décompte? Oh, les rotations que j'ai fait, c'est les premières. Hein. Tu fais le décompte, Mino? À go. 3, 2, 1, go! Oh là là. Non! Allez! Du sens! Il est pas censé se dépier comme ça le piston, mais. Non, mais l'autre il a fait ce cul. Je l'ai gâté. Vous savez que si je tiens, c'est uniquement grâce au réacteur qui me donne un peu plus de puissance. Hein. En fait, alors que tu fais ça, je crois que tu recules un peu beaucoup là. Ouais, c'est ça.
La meilleure arme, bah en fait elle fait peur. Eh, te recule toi aussi, hein, mine de rien. Ouais, mais en fait, c'est ce qu'il me faut parce que je sais comment je vais l'avoir, pas manœuvrable le sien, il suffit que j'arrive à bouger. Non, 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 non. Mais en fait. Je remonte. Remonte. Non. Oui. Ah, oui. Ah, ah. J'ai encore des roues dessus. Oui. Ah là là. En fait, parce que tu dis son buisson là, je bats un coup, un peu, ce qui me permet de bouger. Et te balancer. Attention. Mais hop. Oh. Je suis sorti, ah, non, il a plus les roues dessus. Ah. Arcadia, t'es dehors. Oh, bravo. Ah. Oh, je lag. Vas-y, on le finit. Je suis en train de téléporter. On le finit. On le finit. Le truc, c'est que pour te pousser, je suis obligé de t'emmener avec moi. Il est dehors. Je suis obligé de t'emmener avec moi pour te pousser. Oh, je t'ai attrapé! Oh! Eh, c'est moi qui recule, hein. Je sors hein, moi-même. Hein. Bon, franchement, les réacteurs, je pense que c'est ce qui m'a donné la puissance nécessaire pour tenir tête à son véhicule qui est quand même un mastodon. Bah, en fait, j'aurais dû mettre plus de puissance dans les moteurs, j'en suis qu'à la moitié. Et après le piston m'a pas permis de le pousser parce qu'il est trop lourd. Par contre, ce qui m'a permis de me défaire un peu de son joug, vu qu'il n'arrive pas à le manœuvrer, ça m'a permis de. Et qui m'a permis de presque te faire perdre. Hein. Mais tu as perdu. Quand tu me pousses. Quand tu me pousses avec. Un presque ne compte pas. Quand tu me pousses avec tes pistons, bon, tu m'avais juste assez pour que je puisse commencer okay, à tourner. Tout BG. La win de l'araignée contre Flappy Bird. Quoi? D'accord, mais je vais délire. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Du coup, est-ce qu'on l'améliore ou est-ce que Mino a fini son truc aussi? On l'améliore ça un coup, va pas donner grand chose, mais on peut essayer. Allez, allons-y. Et plus de réacteurs, il faut essayer d'améliorer le piston. Il y a tellement de choses à améliorer. Attendez, je suis dans quel sens? Ouais, je suis dans l'autre. C'est quoi ton truc là-haut? C'est pour y rentrer ou quoi? Pour sortir? Ah, c'est ma porte. Ok. Quoi, j'ai fait une porte à mon véhicule. Il va pas se mettre dessus comme il faut. Si tu veux, on se met en diagonale, je bouge hein. On aura plus d'espace. Gros truc, quoi. On va faire un combat à 3, quoi. Ouais, j'avoue, ça peut être marrant. Moi, j'attendrais qu'on ait un de vous qui commence à. On fait ça, après, on fait le combat avec les 3 trucs. Et après on imposera peut-être des règles parce que je trouve le mien il est trop gros et ce serait plus sympa si on avait des trucs plus petits et peut-être des trucs un peu moins lourds genre de prendre du truc médium ou quoi. Vas-y, tu me dis quand t'es prêt Milo avec tes 10 000 roues. Moi je reste ici. Il y a combien de roues Milo? Voilà. T'es prêt? Ouais. Bah... 3. Pourquoi c'est mon tour là? Ah, ok. Go. Je viens d'apprendre juste le bouton maintenant. Non, je suis sorti tout seul. Je suis trempé de bouton. Et moi aussi j'ai failli sortir tout seul. Le combat d'idiot, tu sais. Il me reste zéro. Allez, par contre, je suis bloqué. Oh. Ah, je vais le finir. Oh, oh merci, il m'a fait remonter. Ah, je suis trempé de. Vers les portes. Regarde les deux, tu sais. Mais comment je vais faire? Ah, je suis tellement dehors là. Je peux tellement pas revenir. Ah, je suis tellement bloqué, il va me finir.
J'ai. Tu m'as trop foncé dessus. Ah ouais, j'étais tellement comme un barbare, mon gars. Vas-y, celui à 3 là. Ah, mais il a encore mis ses trucs de côté, il faut rien faire avec ça. Bloqué quoi en fait. Bah, c'est bien en fait. Bah, non. Bah, c'est déjà moi qui me passe le bon. Bah, allez, on essaie de se caler comme on peut pour que chacun. Chacun soit passé d'un côté. Moi, je suis calé avec lui. Notre combat, un véhicule sympa qui est trop beau. Ouh, je m'envole. Moi, je vais te voir. Ok. Vas-y, moi, je me mets là, là. Je suis prêt. J'essaie de dépasser mon véhicule. Non, mais passez ou avec le... Oh, ce freeze. Ah, ça y est. Ah, vas-y, mettez-le avec les trucs. Ouais, une superbe idée. Tellement d'actasse, merci. Merci, Nati. Moissonneuse batteuse. Une fusée. Ah non, il faut que je me mette dans quel sens. Faut que je me mette là. Et tu vas y arriver, je suis à l'envers, mais ça ira. Ah non, faut que je me mette là. Il est sérieux, lui. T'es sérieux, toi. C'est ma marche arrière qui a déconné. Ouais. Ah là, les gars, tu vois, parfait. Ouais. Bon. Ok. Allez, on doit tourner. On vous dit quand vous êtes prêts. Un combat aérien, ça va être beaucoup beaucoup trop galère, Mathis. On va tourner. Un petit véhicule qui va à la vitesse d'une voiture de course. Ouais, mais après, vu qu'il est léger, c'est lui qui va bouger, il va pas faire bouger les tanks. Mais c'est pour ça que je pense qu'on va mettre en place un système de dire, bon voilà, on fait pas trop gros non plus. On va se donner une limite de taille. Limite, on va... Ouais, ça, on pourrait prendre un bloc, un cube, de limite à ne pas dépasser, et avec uniquement des matériaux médium. Voyez, oh là là, mais comment je pense. Ça évite d'avoir un truc trop lourd non plus et de faire n'importe quoi. Bon, on y va, on commence. Mais il y a pas un t'es prêt, qui permettrait de tourner. T'es ouais, prêt, ouais, Arcadien. Ouais, bien sûr. Mino, c'est bon. Ah ouais. Mino, go. Viens, on commence à me déplacer. Viens, Arcadien. Non, j'ai mis un petit peu trop de puissance dans mes roues là. Allez, dégage. All defense de wow. Je pousse un petit peu. Un petit peu à deux contre un. Je vais y arriver avec les réacteurs, on va le pousser. Yeah. Là je pousse plus rien là. Ah moi je le pousse, t'inquiète il est pas bien là. Mais en fait là, je suis en train d'avancer. En marche arrière. Je vais me faire sortir tout seul. Allez. Ah, faut que je fasse gaffe avec mes réacteurs de les arrêter. Mais Mino, il sort tout seul. Allez. J'ai besoin de personne. Voilà, faut que je fasse gaffe avec mes réacteurs. Oui, j'ai réussi. Parce que si je suis plus en train de pousser et que j'ai toujours les réacteurs, c'est moi qui m'éjecte tout seul aussi. J'adore Mino, c'est super. Il m'a bloqué lui. Oh, c'est lag. Oh, c'est lag à mort. C'est vraiment bloqué avec son truc. Mon écran il est bugué. Hop là. Mon écran il fait une image. De... Ouais, bah je vais profiter, tombe. Attends, ne bouge pas. Bah, faut faire son live pour voir où j'en suis. Non, ça va pas. Hein. Non, t'inquiète, c'est pas grave, tout se passe bien pour toi, hein. Tout va bien. Mais what, si je fais un carrière, c'est mon véhicule qui fait mieux. Ouais. C'est bon, je revois. Non, regarde, avec les réacteurs j'ai assez de puissance hein, pour le pousser quand même. C'est tellement plus contrôlable là après. J'avoue que l'autre c'est tellement une batteuse qui nous a fait. Non, je vais sortir tout seul. C'est un réacteur, je peux plus remonter, tout à l'heure je pouvais. Un peu reculé sans faire derrière. Je peux pas reculer moi, tellement lourd devant. Mais t'as vu tout ce que j'ai mis devant? J'ai fait des filigrés, mais ça me fait pas mal. En fait, je suis obligé de te laisser m'aider pour. Ouais, je vais t'aider, tu vas voir. Attends. Non, depuis tout à l'heure, tu m'aides à aller en arrière. Merci, ça me fait retourner.
Merci, merci, merci. T'as plus de roues. T'as plus de roues. Ah, c'est fini. Ah si. Ah ouais, mais elle compte pas, elle touche plus, elle est sur moi. Là tu les as plus. Là, oh, définitivement, tu les as plus. Oh, je voyais plus rien, j'avais écran. Ah.